C'est le samedi 29 octobre dernier que le parti de l'Alliance pour la Renaissance nationale, Arena, a rendu effective sa rentrée politique. Au menu des échanges entre le bureau directeur et les militants, la détresse sociale symbolisée par les éboulements mortels au PK8, les inondations dans les quartiers du Grand Libreville, mais également la gouvernance toujours empreinte d'opacité à bien des égards. La salle est de Nassise à ONG a servi de cadre à la rentrée politique du parti d'opposition l'Alliance pour la Renaissance nationale, à Rena. Entouré de militants venus en masse et des membres du bureau, Simplice Ibuanga, secrétaire général a lancé les hostilités en définissant les trois points retenus. Il s'agit du climat électoral, la gouvernance du pays par le parti au pouvoir et les souhaits des militants et sympathisants du dit parti pour 2023. Cette mise en bouche a permis de faire le tour des sujets à connotation su demeure irrésolue en dépit des promesses juteuses du chef de l'État Ali Bongo en Dimba. Pour Simplice si la journée est sacrée, je serai heureux que lorsque les Gabonais le seront et nous construirons 5000 logements par an, ne serait que de mensonges depuis plus de 5 ans. S'appuyant sur le ressenti des militants, le secrétariat général de la RENA a appelé à une prise d'initiative. Pour les militants, Richard Moulomba Mombo doit prendre la torche indigène pour l'élection présidentielle de 2023 après avoir soutenu Jean Ping et Pierre Mamboundou. En outre, le président de la Rena s'est offusqué face au drame passé sous silence. Ce que nous voyons là depuis quelques jours est insupportable et l'État doit prendre ses responsabilités, a regretté Richard Moulomba Mombo. Aussi, a-t-il suggéré à Rose-Christiane Soukara Ponda de déclarer l'État de catastrophe naturelle évoquant les heures à oubliées aux nouvelles modalités des bourses d'études. Le leader de la Rena a appelé l'État à se concentrer sur cette dépense injustifiée mise à nu. Autre point à aborder, les accidents de la voie terrestre liés à l'état des routes déplorables. Avant de clore son propos, Richard Moulomba Mombo a salué l'engagement des militants depuis 11 ans et le soutien de ses pairs de l'opposition.